Pierre Agnès, d'abord, c'est un ami avant tout. On se connaît depuis 40 ans. Et moi, j'ai suivi son évolution. On a commencé à surfer ensemble. Parce que lui, il était landais de Cabreton-Segor. Et moi, Biarritz, côte basque. Et c'était d'abord un ami et quelqu'un très proche du monde du surf. Et qui faisait énorme pour le surf. Parce qu'aujourd'hui, quand on se rend compte que c'est quand même. C'est devenu le PDG monde. Et c'est quand même impressionnant, et que c'est un Français, un Hollandais et un ami. Et donc ça nous touche, ça nous affecte, parce que c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment. Moi je l'ai connu, je sais qu'il m'a toujours soutenu. Tous les événements qu'on a pu faire à Biarritz, c'est grâce à Pierre Agnès qui était toujours dans l'ombre, toujours présent, dans des moments très difficiles aussi. Vraiment un ami. Et on devait se voir très prochainement pour le nouveau Biarritz Quicksilver Maïda Rostigui. 34 ans, qui lui a fait les premières compétitions de ce Maïder avec ses amis landais qui venaient, qui se retrouvaient avec les surfeurs de la Grande Plage. Donc cette nouvelle, nous, on est coupé, on est abattu. Malgré tout, on a au fond de nous un espoir, parce que c'est un homme de mer et d'océan. Et voilà, donc on croise les doigts, mais on est très, très, très triste.